perdre un être cher peut être une période très difficile et très traumatisante. Bien que la perte puisse être une expérience profondément personnelle, le processus de deuil comporte quelques étapes fondamentales et universelles. Connaître ces étapes peut vous aider à surmonter votre chagrin après la perte d'un être cher. Il arrive parfois que plusieurs émotions semblent arriver d'un coup et vous pouvez avoir l'impression de devenir fou. Rappelez-vous, dans votre temps de deuil et de chagrin, que vos sentiments sont les vôtres et qu'ils sont normaux. Il est important de comprendre qu'il n'y a ni bon ni mauvais en ce qui concerne vos sentiments à propos de la perte d'un être cher. Il peut arriver que pendant que vous faites face à un deuil, que vous souhaitiez être seul. Mais les amis, la famille, un proche et peut-être un thérapeute sont des personnes auxquelles on peut avoir accès pendant cette période. Le deuil et le chagrin sont un processus. Il est important de savoir que chaque personne a sa propre façon de faire face à la perte. Vous ne pouvez pas mettre une limite de temps sur votre chagrin. Vous devez vous permettre de vivre les étapes du deuil au fur et à mesure qu'elles se manifestent. Bien que la douleur de votre perte soit réelle et doit être ressentie, il viendra un moment où vous devrez recommencer à vivre votre vie. En surmontant la mort d'un être cher, vous arriverez à accepter que la mort est une réalité. Vous vous trouverez capable d'avancer et d'embrasser votre vie sans cet être cher à vos côtés. Tout le monde réagit différemment face à la perte d'une personne. Surtout, soyez gentil avec vous-même et sachez que vous vous réveillerez un jour et que la douleur diminuera et que la vie pourra continuer. Je raconte tout le temps des histoires sur toi. Parfois, je parle de toi au passé. C'était ta boisson préférée. C'était la chanson sur laquelle tu aimais danser. C'était le type de voiture que tu aimais conduire. Mais parfois, ça m'échappe et je parle de toi au présent. Je me réfère toujours à ta maison comme ta maison, même si quelqu'un d'autre y vit maintenant. Je fête encore ton anniversaire. Je te parle toujours, même si mes paroles visent le ciel au lieu d'un téléphone. Je pense qu'une partie de moi pense toujours que tu es en vie. Je pense qu'une partie de moi refuse d'accepter que tu sois parti. Et ça me va. Mais je déteste la façon dont les gens me regardent quand je parle de toi. Comme s'ils avaient besoin de trouver un moyen de changer de sujet. Comme si la douleur était encore trop fraîche dans mon esprit. Comme si c'était dangereux pour moi de dire ton nom. Je ne veux pas que tu deviennes un sujet tabou, quelque chose que mes amis évitent comme la peste. Je veux continuer à raconter des histoires sur toi. Je veux continuer à parler de toi comme si tu étais encore en vie. Je ne suis pas fou. Je sais que tu es parti. J'accepte que tu ne reviendras pas. J'ai passé la phase du déni. Mais je ne vais pas déchirer tes photos et enfouir tes souvenirs au fond de mon esprit. Parce que ça me fait mal de penser à toi. Oui, il y a une douleur associée à toi. Mais il y a aussi du bonheur. Je ne veux jamais t'oublier. Je ne veux jamais perdre les moments que nous avons partagés. Donc je suis désolé si mon honnêteté met les autres mal à l'aise. S'ils voudraient que je me retienne de dire ton nom et que je parle d'un sujet plus léger, et je n'arrêterai jamais de mentionner combien tu me fais rire, combien ton sourire est beau, combien tes conseils me sont toujours précieux
encore aujourd'hui. Je suis arrivé au point où je peux parler de toi sans éclater en sanglots. Même si je finis par pleurer, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Qu'importe, je n'ai pas honte de t'aimer, que tu me manques. Si les autres ne peuvent pas gérer une telle émotion, s'ils évitent de dire ton nom, c'est leur problème. Je ne m'excuserai pas d'être humain. Je ne t'oublierai jamais et je n'arrêterai jamais de parler de toi. Je t'aime. Peu importe que tu sois parti, car je garderai ta mémoire en vie. Je te le promets.